Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver comme promis pour votre tendance 2023 par signe astrologique. Alors vous pouvez euh, consulter votre signe de naissance, votre ascendant et votre signe lunaire. Euh, J'espère que vous allez toutes et tous très bien et je vais entamer donc euh, sous un format différent puisqu'actuellement je ne suis pas chez moi et que je n'ai pas pu faire le tirage en direct. Donc dans un premier temps, je donnerai pour chaque signe les mots-clés qui correspondent au premier, second, troisième et quatrième trimestre de cette année. Et ensuite, une euh, petite interprétation euh, pour le déroulé de votre année 2023. Allez, c'est parti, on commence par vous les béliers. Euh, au premier tri trimestre, pardon, <laughs> le mot-clé, ce sont les doutes. Euh, au second trimestre, l'action. Au troisième trimestre, l'intuition et au quatrième trimestre, l'illusion. Après une année 2022 où vous vous êtes transformé, ce début d'année 2023 est ponctué par quelques doutes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers et le deuxième trimestre sera placé sous le signe de l'action et des choix. Au troisième trimestre, vous vous écoutez et cela vous permet d'avancer avec authenticité. En fin d'année, les masques tombent, vous vous affirmez et votre regard sur une situation est lucide. Le mot de votre année 2023, c'est la paix. On continue avec vous les taureaux. Votre premier trimestre sera sous le signe du défi, le second trimestre la sensibilité, au troisième trimestre la justice et au quatrième trimestre la clarté. Pour vous les taureaux, en ce début d'année 2023, vous avez des envies de challenge. Vous continuez votre quête de stabilité entamée en 2022. Au second trimestre, sagesse et écoute de soi sont au rendez-vous. Durant le troisième trimestre, une situation trouve justice et votre vie s'équilibre enfin. Vous terminez l'année avec une vision éclairée sur la suite du chemin. Le mot de votre année 2023, chers taureaux, c'est la stabilité. On continue avec vous les Gémeaux. Au premier trimestre, le mot qui euh, vous gouvernera, en quelque sorte, c'est la stabilité. Au second trimestre, les possibilités. Au troisième trimestre, la naissance. Et au quatrième trimestre, l'harmonie. Les énergies de nouveau départ qui vous ont accompagné en 2022 se stabilisent en ce début d'année 2023. Durant le deuxième trimestre, de nombreuses possibilités s'offrent à vous. Cela vous permet d'être dans une énergie de création ou de construction dans le troisième trimestre. Votre année se termine sous le signe de l'harmonie retrouvée. Le mot de votre année 2023, cher Gémeaux, c'est le virage. Pour vous les cancers, le mot de votre premier trimestre sera l'introspection, au second trimestre le retour à soi, au troisième trimestre le ralentissement et au quatrième trimestre la renaissance. 2023 est une année pardon, de grandes transformations vous concernant. Vous avez préparé le terrain l'année passée. Ce premier trimestre est placé sous le signe de l'introspection, ce qui vous permet de vous retrouver durant le second trimestre. Le milieu d'année vous paraît long et les énergies vous ralentissent. Cependant, en fin d'année, vous êtes riche de vos compréhensions et vous entamez un nouveau départ. Le mot de votre année 2023, cher cancer, c'est la mutation. Pour vous, cher Lyon, le mot de votre premier trimestre, c'est la perte. Au second trimestre, la confiance. Au troisième trimestre, le changement. Et au quatrième trimestre, le savoir. Vous fermez définitivement une ou plusieurs portes du passé en ce début 2023. Vous reprenez confiance en vous et en votre parcours durant le second trimestre. Accrochez-vous, de grands changements rythment votre milieu d'année. Vous terminez cette année en rayonnant votre personnalité et votre savoir-faire. Vos projets sont protégés. Le mot de votre année 2023, cher Lion, c'est la clairvoyance. Pour vous les vierges, au premier trimestre, le mot qui vous accompagne, c'est le dur labeur. Au second trimestre, l'élévation. Au troisième trimestre, le nouveau départ. Et au quatrième trimestre, l'affirmation. En ce début d'année 2023, vous travaillez dur. Attention tout de même de ne pas vous tuer à la tâche. Gardez votre énergie pour accueillir sereinement de belles compréhensions courant du second trimestre. En milieu d'année, un nouveau départ se prépare et vous terminez le dernier trimestre en vous affirmant et en affichant vos choix. Le mot de votre année 2023, les opportunités. Pour vous les balances, le mot de votre premier trimestre c'est la duperie, au second trimestre la réorganisation, au troisième trimestre la stabilité et au quatrième trimestre l'enseignement. Ce début d'année vous secoue un peu sur le plan relationnel et ou professionnel, vous vous sentez dupé. Cela vous amène à réorganiser votre vie ou à mettre un coup de balai dans votre sphère relationnelle dans le courant du second trimestre. Un mal pour un bien qui vous permet de retrouver une belle stabilité en milieu d'année. La fin 2023 vous met face à une ou plusieurs situations dont résultent un ou des enseignements importants. Le mot de votre année pour vous, chère balance, c'est les compréhensions. On continue avec vous, chers scorpions. Votre premier trimestre est sous le signe de la dépendance. Le second trimestre, le mot d'ordre, c'est l'indulgence. Au troisième trimestre, le renouveau. Et au quatrième trimestre, couper. C'est ce que j'ai, la coupure. <laughs> Allez, à l'aube de cette nouvelle année, attention de ne pas repartir dans vos anciens travers, addiction ou dépendance. Le second trimestre vous pousse à être bienveillant et indulgent envers vous-même. Cela vous permet de renouer avec vos valeurs et votre essence en milieu d'année. Vous clôturez, vous clôturez pardon, 2023 en coupant définitivement avec vos anciens schémas. Le mot de votre année 2023, cher Scorpion, c'est l'ordre. On continue avec vous les Sagittaires. Au premier trimestre, le mot d'ordre, c'est la patience. Au second trimestre, le savoir. Au troisième trimestre, l'équilibre. Et au quatrième trimestre, les bases. Cette année 2023 est placée sous le signe du Chaque chose en son temps. Vous avancez et vous profitez du voyage en vous faisant plaisir. Vous prenez le temps de vivre, de vous montrer avec authenticité. Au troisième trimestre, vous trouvez l'équilibre. Vous terminez l'année avec de solides bases pour certains et une construction stable pour d'autres. Le mot d'ordre de votre année 2023, chers Sagittaires, c'est la construction. Pour vous les Capricornes, votre mot du premier trimestre sera l'ancrage, au second trimestre l'introspection, au troisième trimestre la valeur et au quatrième trimestre le changement. Dans la même lignée que votre année 2022, en ce début d'année vous ancrez vos compréhensions. Une période d'introspection s'annonce au deuxième trimestre, un moment de ralentissement qui vous permet de vous reconnecter à vos valeurs en milieu d'année. Vous terminez 2023 en actant de grands changements. Le mot de votre année 2023, ce sera le retour à soi. Pour vous, cher Verseau, votre mot du premier trimestre, c'est l'opportunité, ou les opportunités d'ailleurs. Au second trimestre, les solutions au troisième trimestre, la solitude et au quatrième trimestre, le surmenage. Vous débutez l'année sur les chapeaux de roue. De belles opportunités s'offrent à vous, ne les laissez pas filer. Cela vous permet de résoudre de nombreux problèmes qui vous collent à la peau dans le courant du second trimestre. En milieu d'année, lâchez prise et laissez-vous porter car vous terminez 2023 en mode hyperactif. Attention pour certains, un manque de repos en amont vous conduit au surmenage. Le mot de votre année 2023, cher Verseau, c'est la récolte. Et pour finir, on va clôturer avec vous, chers poissons. Votre mot du premier trimestre, c'est le mouvement. Au second trimestre, l'abondance. Au troisième trimestre, la jalousie. Et au quatrième trimestre, la déstabilisation. 2022 était une année de préparation. Votre premier trimestre est placé sous le signe du mouvement. Au second trimestre, vous êtes riche de ce que vous accomplissez depuis janvier. Pour certains, il peut s'agir d'abondance financière. Attention, votre épanouissement et votre enthousiasme attirent quelques envieux. Choisissez bien vos partenaires. Événements déstabilisants en fin d'année, pesez les choses. Le mot de votre année 2023, ce sont les décisions. Voici, j'espère que ces tendances vous parleront. Euh, N'hésitez pas à y revenir hein, dans le courant de l'année. Euh, sachez qu'elles seront aussi disponibles et épinglées sur mon profil Instagram, tirer du 8, Astra et la du 8. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner sur mon compte Instagram. Et puis nous, on se retrouve très vite pour les énergies de janvier 2023. Et puis pour aussi les oracles hebdomadaires quand j'ai le temps. Allez je vous souhaite une très belle année 2023. Euh, J'espère que nous serons de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci à vous qui vous abonnez, qui, euh, euh, eh bien, qui me laissez des j'aime ou des commentaires, à vous qui m'envoyez me, qui aussi des messages par mail. Euh, je relance aussi l'agenda pour les consultations individuelles. Si ça vous intéresse, vous avez mes coordonnées, soit dans le lien Linktree que vous aurez dans la barre de description ou dans la rubrique à propos sur la chaîne. Ou alors, vous avez toutes les infos de contact sur ma page Instagram, tirer du 8, astraella, tirer du 8. Allez, on se retrouve très vite et je vous souhaite une très belle année 2023. À bientôt. Ciao!